أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. À tous et à toutes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue pour cette cinquième partie de l'histoire de notre prophète, de notre cher prophète Youssef alayhi salam. Al-Karim, c'est comme ça qu'on l'a surnommé, c'est-à-dire le prophète noble, enfant d'un prophète noble, enfant d'un prophète noble, enfant d'un prophète noble, c'est-à-dire Youssef ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Quatre prophètes. Et Allah Azza wa Jal va nous raconter cette magnifique histoire, l'histoire de Youssef alayhi salam. On avait expliqué que depuis tout petit, il fait un rêve qui lui annonce des choses de l'avenir. Et ce père, nommé Ya'qub alayhi salam, qui est lui aussi prophète, eh bien, va demander à son fils de garder secret ce rêve, de ne pas le raconter à ses frères. Eh bien, le destin a voulu et que ses frères, subhanallah, lui témoignent de la jalousie. Et ils vont essayer de l'éloigner, de le retirer à leur père. Et la haine qu'ils avaient, subhanallah, en pensant qu'il était préféré à son père que eux, ils vont tout faire pour l'écarter. Et ils vont procéder de manière diabolique, c'est-à-dire jeter un enfant dans un puits. Allah Azza wa Jal nous explique, subhanallah, qu'ils sont revenus avec un mensonge, le mensonge de la chemise, en disant que le loup l'a mangé. Youssef alayhi salam a été épargné par Allah, par le loup, mais il n'a pas été épargné, et ça c'est le choix d'Allah, par le loup qui s'appelait le groupe de frères. Allah a laissé passer ce qui s'est passé, Allah a permis que ça se passe, c'est-à-dire que le décret a été donné pour que ses frères agissent. Ce sont leurs responsabilités à eux. Ils ont fait ce choix-là de mal se comporter. Youssef alayhi salam a subi, et il va être jeté dans le puits, et Allah va le récupérer du puits. Ensuite, il va être vendu, et il va arriver dans ce palais. On avait vu, subhanallah, que Youssef alayhi salam va grandir, il va être un homme, et subhanallah, malgré sa beauté, qui va lui porter préjudice, subhanallah, certaines femmes ont été tentées de le séduire, et Youssef alayhi salam a su garder sa foi face à ce péché. Il aurait pu jouer de sa beauté, mais il a préféré rester sur le droit chemin. Le chemin qui le liait à Allah, qui l'amenait vers Allah. Et Allah Azza wa Jal nous explique qu'il a fait une invocation. Il a demandé à Allah de le protéger. Youssef alayhi salam préfère la prison que de rester avec ses femmes et avait peur de tomber dans l'erreur, dans le péché. Allah Azza wa Jal va répondre à son invocation et il va arriver en prison. Lorsqu'il est en prison, il va avoir deux compagnons de cellule. Ces deux compagnons-là, il va leur faire leur appel et ensuite il va faire l'interprétation de leur rêve à tous les deux. Une interprétation demandée par ces deux hommes auprès de Youssef alayhi salam. Youssef alayhi salam va leur faire, subhanallah, leur rappel, un rappel même en prison. Il leur fait rappeler qu'Allah Azza wa Jal mérite seul d'être adoré. Les deux compagnons de cellule vont quitter la prison. Ils sortent de prison, subhanallah. L'un va être crucifié, va être tué, et l'autre va revenir auprès de la cour, auprès du roi dans sa cour. Et puis, un jour,
le roi, subhanallah, va avoir besoin qu'on lui interprète son rêve et cet homme qui était en cellule va se souvenir que Youssef alayhi salam interprétait et qu'il lui avait demandé de parler de lui auprès de son roi. Et subhanallah, c'était une demande que Youssef alayhi salam avait faite et Allah a répondu à ce moment-là. Il lui a répondu en disant: Youssef, ce que tu as demandé, c'est pas pour maintenant. Ça sera plus tard dans quelques années. Allah a choisi de le garder encore plus en prison, non pas parce qu'il méritait, mais tout simplement parce que, eh bien, c'était pas le moment de sortir encore. Le destin est tracé par Allah. L'histoire de Youssef alayhi salam, c'est un grand enseignement en termes de destin. Le destin est la prédestinée, pardon. Donc le destin est la prédestinée, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla nous demande d'invoquer, il nous demande de croire en sa réponse, il nous demande de faire les efforts, mais de ne jamais se charger de la solution et de la réponse. Allah nous demande les efforts uniquement, invoquer, d'accord, y croire aussi, être convaincu, mais la réponse est entre les mains d'Allah. La solution est entre les mains d'Allah. Les conséquences sont entre les mains d'Allah. Il ne faut pas y penser. Est-ce qu'Allah a dévalorisé Youssef lorsqu'il l'a laissé encore plus dans la prison? Du tout. Allah savait très bien que ça n'était pas le bon moment de faire sortir Youssef et que le jour où le roi va faire ce rêve et que ce sera vraiment utile pour tout le pays, à ce moment-là, on va te faire sortir, ya Youssef. Allah avait répondu. Il a demandé la prison, il l'a eu. Il a demandé que un de ses compagnons de cellule parle au roi. Il l'a exaucé, mais pas au moment où Youssef s'y attendait. Ça aussi, subhanallah, c'est une leçon de vie pour nous dire, est-ce que tu invoques et est-ce que tu crois en Allah quand tu invoques? Si tu es dans le fait de choisir la réponse, de commander Allah dans sa réponse, tu n'es pas sur le droit chemin de la bonne invocation. Voyez, Youssef alayhi salam, depuis le début jusqu'à la fin, Allah l'a honoré, Allah l'a choisi comme prophète, Allah lui a donné des dons. Et malgré ceci, c'est juste un enseignement fort pour nous dire, continue d'invoquer, ne désespère pas, aie confiance et tu verras, subhanallah. Ce sera comme pour Yaqub alayhi salam. Il a invoqué, il a demandé, il a patienté. Et au moment où il a été positif, Allah a répondu. Le roi a fait un rêve. Cette vache grasse, cette vache maigre, ces épis de blé aussi, durs et secs, subhanallah, Youssef alayhi salam, va interpréter. Après avoir demandé à être innocenté, et il a eu, subhanallah, sa réponse. Allah Azza wa Jal va l'amener jusqu'au roi à ce moment-là. Et il va y avoir un dialogue, un échange avec le roi. Et subhanallah, Youssef alayhi salam va faire profiter tout un peuple, tout un pays du don qu'Allah lui a donné. C'est-à-dire la gestion des réserves du pays. Être au ministère de l'économie. Youssef alayhi salam parle d'une stratégie qui s'étend sur 15 ans. 15 ans, il dit voilà, vous allez avoir cette année difficile, ensuite vous allez devoir, subhanallah, mettre de côté, les 7 autres prochaines années seront encore plus difficiles, vous récupérez, vous consommez, vous laissez toujours une partie, la 15e année sera prospère. Voyez, subhanallah, ici, comment savait-il si ça n'était pas ce don offert par Allah, c'est ce qui s'est passé, subhanallah. Alors, il arrive au pouvoir, dans un poste très important. Et Allah a voulu que la famine, la sécheresse, ne touche pas uniquement l'Égypte, ceux de Palestine à côté. Qui habitait en Palestine? Yaqub, son père, et ses frères, dont Benyamin. Alors ils sont venus en Égypte, pourquoi? Parce qu'en Égypte, il y avait de quoi se ravitailler, de quoi s'approvisionner. Youssef alayhi salam était stratège. Donc il le retire de ses frères
Ensuite, il arrive au pouvoir, subhanallah, et ses frères reviennent auprès de lui. Regardez les plans d'Allah. Il faut juste suivre son chemin et y croire fermement. Allah Azzawajal nous dit, et c'est le verset 58, 59 et le verset 60. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. Et lorsque les frères de Youssouf sont arrivés, ils sont arrivés où? Ils sont arrivés, ils sont entrés chez lui. Il les a reconnus contrairement à eux. Et lorsqu'il les a fournis en provision, il leur a dit, « Ramenez-moi votre frère de votre père. Ne voyez-vous pas que c'est moi qui procure pleinement les mesures qui ravitaillent et je suis le meilleur des hôtes. » Je vais expliquer qu'est-ce que c'est un hôte. « Et si vous ne me le ramenez pas, vous n'aurez aucune provision et vous ne m'approcherez absolument pas. » Alors les frères ont répondu, « Nous allons tout faire pour que notre père accepte qu'il vienne avec nous, et on va faire tout notre possible pour que notre père accepte. » Allah Azza wa Jal va combler son serviteur Youssef. Ceux qui l'ont jeté dans un puits sont persuadés que Youssef est décédé, que Youssef n'est plus de ce monde. Donc même quand il rentre en Égypte pour récupérer de quoi se ravitailler, Allah Azza wa Jal nous dit, Youssef les a reconnus, mais pas eux. Parce qu'ils ont laissé Youssef tout petit 10 ans. Et aujourd'hui, Youssef peut-être en a 40, 30, 40. C'est-à-dire qu'un enfant de 10 ans n'est pas le même qu'un homme adulte. Et eux n'ont pas pu le reconnaître, mais lui les a reconnus parce qu'ils étaient déjà constitués quand Youssef les a quittés. Ensuite, Youssef va les fournir en provision. Il va leur apporter ce dont ils ont besoin. Mais il leur dit, « Ramenez-moi votre frère. » Comment savait-il, subhanallah, que Youssef savait qu'il avait un frère et de leur père, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la même mère. Subhanallah, il commence tout doucement à leur mettre la puce à l'oreille. Et lorsqu'il les a fournis en provision, il leur dit, « Ramenez votre frère de votre père. Ne voyez-vous pas que c'est moi qui vous fournis ?» C'est-à-dire, vous aurez affaire à moi. C'est moi qui gère. Et si vous voulez que je vous donne encore plus, revenez la prochaine fois avec ce frère. Ils étaient 10 frères, subhanallah. Il en manquait un, le 11e, Benyamin. Et il dit, « Et je suis le meilleur des hôtes. Sachez que je suis celui qui sait recevoir mes invités. Je suis celui qui sait recevoir les personnes qui rentrent dans ce royaume. Alors, si vous ne me le ramenez pas, et ce n'est pas une question de chantage, eh bien vous n'aurez rien. C'est moi qui agis, c'est moi qui donne, c'est moi qui gère, donc si vous voulez encore plus, ramenez-moi bien votre frère. » Youssef alayhi salam voulait revoir son petit frère. Il lui manquait.
Oui, pendant des années, il n'a pas vu les siens. Il n'a pas vu son père, il n'a pas vu son petit frère. On dit que la mère était décédée aussi, cependant, c'est pour ça qu'il avait de l'affection beaucoup pour les petits. Et Yacoub, alayhi salam. Et il dit, moi, je veux voir mon petit frère, cependant, il me manque. Mais il n'ose pas leur dire. Alors, ils ont répondu, Allah nous dit, nous allons faire tout notre possible pour que notre père accepte. Et oui, ils savent qu'au fond, il faut que le père accepte. Pourquoi? Parce que les années précédentes, ils ont demandé au père à ce que Youssouf vienne avec eux. Le père a pressenti, il a eu une intuition. Et il ne s'est pas trompé dans son intuition, subhanallah. Et il n'a plus revu Youssouf, alayhi salam. Vous voyez, toutes ces années à vivre loin de sa famille, loin du père, loin d'un petit frère, subhanallah. Et malgré ça, malgré le mauvais comportement de ses 10 frères, Youssouf alayhi salam reste juste. Chaque chose est à sa place. Je vous donne, mais donnez-moi aussi. Ramenez-moi mon petit frère. Il commence par le petit frère, subhanallah. Ensuite, Allah nous dit, verset 62, وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اِجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Et il dit à ses servants, remettez leurs sous, leur argent, en échange de ce qu'ils ont obtenu, dans leurs bagages pour qu'ils les reconnaissent en revenant auprès de leur famille et qu'ils reviennent auprès de nous. Et lorsqu'ils sont revenus auprès de leur père, ils lui ont dit, cher père, il nous a été refusé à l'avenir d'être ravitaillés. Alors envoie la prochaine fois avec nous notre frère pour obtenir les provisions et nous le protégerons. Le père dit, est-ce que je vais vous confier? Est-ce que je vais vous le confier comme je vous ai confié son frère auparavant? Mais Allah est le meilleur des protecteurs et il est le plus bienveillant par excellence que toute personne bienveillante. Les fils reviennent auprès de leur père. Et juste avant, Youssouf alayhi salam a ordonné à ce qu'on leur rende leur monnaie. L'argent, la monnaie en échange de la marchandise, Youssouf a demandé à ce qu'on rende l'argent et qu'on la mette dans les bagages. Lorsqu'ils vont ouvrir leurs bagages, ils vont s'apercevoir, subhanallah, qu'on leur a rendu. C'était une stratégie d'Allah pour dire, subhanallah, que, eh bien, vous allez revenir. Et regardez comment on vous a accueilli. Et surtout, ça c'est les plans d'Allah pour dire subhanallah, rends le bien pour le mal subi. Ne regarde pas et ne te concentre pas sur l'erreur de l'autre. Amène-le à réfléchir sur son erreur. Je vous ai fait le khair. Vous m'avez fait du mal. Mais regardez comment un prophète nous donne une leçon de relation, une leçon de vie. 90% du Coran, ce sont les relations humaines. Allah Azzawajal, tout doucement, il nous amène vers le pardon. Tout doucement, il nous dit, Youssouf, regardez comment il va pardonner. Comment il va pardonner entièrement à ses frères. Il les accepte, il les prend avec leurs erreurs, il les accepte avec leurs erreurs, témoigne d'un bon comportement. Il va mettre l'argent dans les bagages pour qu'ils se disent, ah tiens, on a vraiment été généreux envers nous.
Donc, il leur fait prendre conscience du bon comportement. Ensuite, ils reviennent auprès de leur père. Et là, il dit, le groupe de frères dit, si tu veux qu'on retourne en Égypte pour être ravitaillé, il va falloir que tu nous laisses Benjamin. On l'emmène avec nous, sinon on ne pourra pas avoir une quelconque provision. Et le père pose une question. Il pose juste une question. Regardez le père comment il est juste aussi. Est-ce que je vais vous le confier ? Comme quand je vous ai confié Youssef avant. Et il n'est jamais revenu. Il s'affirme, il dit les choses. Il dit ce qu'il a sur son cœur. Il le dit. Mais Allah est le meilleur des protecteurs. Regardez comment il est juste. Vous m'avez enlevé Youssef. Et aujourd'hui, je vous le dis. Et je vous dis, vous voulez encore m'enlever peut-être Benjamin ? Mais Allah est le meilleur des protecteurs. Regardez le tawakkul. C'est-à-dire, vous vous êtes mal comporté. Mais Allah, je place ma confiance en Allah. Et si je dois vous laisser Benjamin, je vous le laisserai. Il est entre les mains d'Allah. C'est ça, garder la foi dans chaque situation. Être raisonnable, être lucide, être éclairé. Qu'Allah éclaire notre cœur. Qu'Allah éclaire notre raison. Qu'Allah fasse que nous soyons toujours justes pour rester sur le droit chemin. Et il dit, Wallahu arhamur rahimin. Il prendra soin de mon enfant. Il est le plus bienveillant parmi toute personne bienveillante. Versets 65 et 66, Allah nous dit, وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ. Maintenant, ils vont ouvrir la marchandise avec laquelle ils sont revenus. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنَّ اللَّهِ لَتُؤْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ. Et lorsqu'ils ont ouvert leur bagage, quand ils ont ouvert leur marchandise avec laquelle ils sont revenus, ils ont trouvé que leur argent avait été rendu. Ils ont dit, cher père, qu'est-ce qu'on veut de plus ? Regarde, nous sommes revenus avec la marchandise et l'argent qu'on a donné. Et il nous a été rendu. Et nous pourrons alors aider nos familles, nous protégerons notre frère. Et nous aurons plus de provisions. Et ceci est chose facile. Le père dit, je ne l'enverrai jamais avec vous. Sans que vous juriez par Allah de revenir avec lui, à moins que vous soyez empêchés qu'il revienne. Et lorsqu'ils ont prêté serment, il dit, Allah se charge de ce que nous disons. Subhanallah, quelle leçon de sagesse maintenant avec Yaqub alayhi salam. Les fils, les frères de Youssef alayhi salam, maintenant ils sont conscients, ils s'aperçoivent que cet argent, ils sont revenus avec. Et regardez, subhanallah, l'élan d'énergie qu'ils ont eu. Comme si Youssef voulait qu'en rendant l'argent, ils aient eux-mêmes envie de revenir. Quand on fait le khir aux autres, les autres qui se sont trompés à notre égard ont un déclic. Ils deviennent conscients, ils prennent conscience. Et là, ils ont dit à leur père, mais on va pouvoir aider notre famille. Regarde, on nous a rendu l'argent. Et puis, ne t'inquiète pas, on protégera notre frère. Et ceci est chose facile, on pourra le faire, ne t'inquiète pas. Le père réagit. Il voit l'attitude de ses enfants, le comportement de ses enfants. Il analyse, il observe, il écoute, il entend.
Et il leur dit, il leur fait comprendre, hein, je n'ai pas oublié, dans le sens où c'est à vous de retenir la leçon. Moi, je ne l'enverrai jamais avec vous. Mais, regardez comment il est juste. Moi, il faut que vous me juriez que vous allez revenir avec lui. Et il est encore plus juste en disant, à moins que vous soyez empêché. Être juste empêche de tomber dans la colère. Il n'est pas dans la colère. Il leur dit, ok, le lien avec Allah était plus fort que l'acte, le mauvais comportement de ses enfants. Moi, je ne vous l'enverrai jamais parce que vous avez fait du mal au premier. Et c'est un poids en termes de responsabilité, cet enfant qui s'appelle Benjamin. Et ok, moi je veux bien, mais vous prêtez serment. Vous me jurez par Allah que vous allez le ramener. Et à moins que vous soyez empêché, et là c'est autre chose. Il est juste. Les frères vont jurer et il dit « Wallahu ala ma naqulu wakil ». C'est-à-dire, nous avons eu un échange où vous avez prêté serment, vous étiez d'accord. Maintenant, ce qu'on a dit, ce qu'on a convenu ensemble, on le laisse entre les mains d'Allah. C'est ça le tawakkul. Le père est dans un tawakkul. Malgré la douleur, il est juste. Vous avez fait du mal, mais moi, je ne me comporterai pas comme vous. Il rend le bien pour le mal qu'il a subi. Youssef, alayhi salam, donc, a un geste de bienveillance. Le père aussi est doux et il a un geste de bienveillance envers ces garçons qui l'ont enlevé. Youssef, alayhi salam, regardez, subhanallah, celui qui fait le khair, celui qui agit correctement, qui agit justement et avec bienveillance, Allah azza wa jal est son meilleur compagnon. Ensuite, le verset 67, Allah azza wa jal nous dit, « Wa qala ya baniya » Là, ça va être la recommandation du père lorsqu'ils vont partir en Égypte. « La tadkhulou min babin wahid, wadkhulou min abwabin mutafarriqa, wama ughni ankum min Allah min shay, inil hukmu illa lillah, alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalil mutawakkilun. » Et il dit, « Mes enfants, n'entrez pas par une seule porte. » Mais entrez plutôt par des portes différentes, et je ne peux vous être utile contre le destin d'Allah, car l'ordre, le jugement n'appartient qu'à Allah. En lui j'ai placé mon entière confiance, et c'est lui uniquement. Et c'est uniquement lui que ceux qui veulent placer leur confiance placent leur confiance. C'est uniquement en lui qu'on place sa confiance. Donc là, il va donner un conseil à ses enfants. Vous êtes, mashallah, 11 maintenant. Vous allez rentrer dans une ville en Égypte. Ne rentrez pas tous ensemble par la même porte. Mais choisissez plutôt d'y aller par petits groupes. Et cela permettra d'être protégé de toute mauvaise chose. Vous voyez, subhanallah, quand on est en groupe, ça peut aussi attirer le mauvais œil. Donc là, il fait le rappel. N'oublions pas que Yaqub, alayhi salam, c'est un homme qui a une intuition forte. Et il dit, le jugement n'appartient qu'à Allah. En lui, j'ai placé mon entière confiance. Encore une fois, il revient dans le tawakkul. Encore une fois, il nous dit, je vous ai laissé entre les mains d'Allah. J'ai laissé Youssef entre les mains d'Allah. Je veux laisser Benjamin entre les mains d'Allah. Je laisse Benjamin et ses frères entre les mains d'Allah. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Et lorsqu'ils sont entrés par là où leur père leur a demandé d'entrer, Yaqub ne pouvait leur être utile contre le destin d'Allah. Mais ce n'était qu'une pensée qui a traversé le cœur de Yaqub.
et il possédait une science qu'on lui a enseignée, mais la plupart des gens ne savent pas. Quand on est proche d'Allah, Allah enseigne. Allah Azza wa Jalla nous dit dans un verset Wattaqullah wa yu'allimukum Allah, et craignez Allah et Allah vous enseignera. Ils entrent par le conseil de Youssef, mais surtout, c'est ce qu'Allah nous dit, Allah a donné l'intuition à Youssef, à Yaqub, pardon, le père, au père, eh bien, de leur dire qu'il fallait qu'ils entrent par différentes portes. Voyez, quand on est proche d'Allah, l'intuition sera encore plus forte. Vous savez, ce pressentiment, un sentiment qui précède une situation. Je sens que, ça vous est sûrement déjà arrivé, mais vous savez, subhanallah, plus on est proche d'Allah, plus cette clairvoyance, Allah la fait descendre sur son serviteur. Allah Azza wa Jalla nous dit, et il possédait une science qu'on lui a enseignée, l'intuition. Et puis le fait de savoir qu'il fallait que ses enfants passent, traversent l'Égypte par différentes portes. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et lorsqu'ils sont entrés chez Youssef, il a serré son frère dans ses bras et il lui a dit, je suis ton frère. Alors ne sois pas triste pour ce qu'ils ont pu faire dans le passé. Youssef alayhi salam attendait ce jour avec impatience. Les liens du sang restent les liens du sang, subhanallah. Ils étaient sûrement proches. Il n'a pas arrêté de penser à son petit frère. Il a grandi sans son petit frère. Il a grandi sans son père, subhanallah. Et il le serre dans ses bras en lui disant, maintenant ne sois pas triste pour ce qui est arrivé, subhanallah. Je sais que tu as grandi sans moi, j'étais loin de toi, mais ne sois pas triste, il le console, il le rassure, il joue encore le rôle de grand frère, subhanallah. Et il lui a dit ça discrètement, sans que les autres ne le sachent, parce qu'il ne voulait pas encore dévoiler son identité à ses frères, à ses grands frères. Alors, subhanallah, Youssef alayhi salam, Allah vient d'exaucer ça. C'est le rêve, subhanallah, qui commence à se réaliser. J'ai vu le soleil, la lune se prosterner à moi, ainsi que 11 étoiles, subhanallah. Les frères sont en train de venir. Le rêve est en train de se concrétiser. Allah nous dit, versets 70, 71 et 72. « Falamma jahazahum bi jahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhi. Thumma أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. يوسف عليه السلام maintenant Allah va l'inspirer d'une autre stratégie. Et lorsqu'il les a approvisionnés, il a placé la coupe dans le sac de son frère, la coupe du roi dans le sac de son frère. Puis un homme a appelé, votre caravane contient des voleurs. Ils ont dit, et ils sont revenus, qu'est-ce que vous avez perdu? Alors on leur répond, nous avons perdu la coupe du roi, et celui qui la porte maintenant aura la charge en provision de tout un chameau. Et moi j'en suis le garant. Alors, ils ont répondu, subhanallah, que, eh bien, ils ne comprenaient pas qu'est-ce que cette coupe, qu'est-ce qui s'est passé. Les frères de Youssef veulent repartir avec leur bien, leur ravitaillement, leur approvisionnement,
Mais on leur parle d'une coupe. La coupe de qui? La coupe d'un roi. On leur dit que la coupe du roi a été volée. Et la coupe, on va fouiller les sacs. Si on la trouve dans un sac, subhanallah, eh bien, elle sera donc remise au roi. Et celui qui la porte aura la charge en provision de tout un chameau. Allah Azza wa Jal nous dévoile dans les versets 73 et 74 « Qalu, Tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard wa ma kunna sariqin. Qalu fama jaza'uhu in kuntum kadhibin. Qalu jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'uhu kadhalika najzi adh-dhalimin. » Et ils ont répondu par Allah, vous savez bien qu'on est venu ici dans votre terre non pas pour voler, non pas pour faire du mal. Ils ont répondu, alors quelle sera la sentence de celui qui a volé si vous mentez? Les frères ont répondu, la punition reviendra à celui dont les bagages contiennent la coupe, et c'est ainsi que sont punis les injustes. Donc regardez, subhanallah, au début, Youssef alayhi salam dit, voilà, une coupe a été volée. Et celui qui la remet, qui la retrouve, il aura, subhanallah, tout un chameau, le poids d'un chameau, eh bien, en approvisionnement. Et eux déclarent qu'ils ne sont pas venus ici pour voler, bien au contraire. Ça, c'était le plan de Youssef alayhi salam. Et par la suite, ils vont dire, bah, écoutez, d'accord, ok. Mais qu'est-ce qu'on fait? Si on la trouve chez quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va punir cette personne si on trouve la coupe dans ses bagages? Ils ont répondu, la punition reviendra à celui dont les bagages contiennent le verre. Voilà, contiennent la coupe. Youssef alayhi salam les fait parler. Il ne leur dit pas, je vais garder Benjamin. Mais je vais faire en sorte de garder Benjamin en employant une stratégie. Parfois, et c'est dans l'histoire de Youssef alayhi salam, ça ne sert à rien de dire les choses directement. Parfois, au lieu de passer par la porte, il faut passer par la fenêtre. C'est meilleur. Et ça, subhanallah, c'est meilleur pour les cœurs de tout le monde. Là, ils veulent retenir Benjamin. Au lieu de dire, eh ben, écoutez, vous m'avez fait du mal, vous souvenez? Mais là, aujourd'hui, je vais le garder. Youssef alayhi salam est sage. Il est diplomate. Alors que, souvenons-nous, ils ont juré à leur père qu'ils allaient revenir avec Benjamin. Subhanallah, est-ce qu'Allah a inspiré Youssef? À moins que vous soyez retenu, a dit le père. À moins que vous soyez empêché qu'il revienne avec vous. Subhanallah, comme s'il avait pressenti l'intuition, c'est Allah qui la met dans le cœur du croyant. Et subhanallah, c'est ce qui s'est passé. Ils ont été empêchés à ce que Benjamin revienne. Pourquoi? Parce que la coupe a été trouvée dans les bagages de Benjamin. Verset 76, Allah nous dit « فَبَدَأَ بِأَوْعَيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي العلم عليم. » Alors il a commencé à chercher Youssef dans leurs bagages, avant les bagages de son frère. Il a procédé à la fouille dans les bagages de ses grands frères avant Benjamin. Puis il a extrait la coupe du bagage de son frère. Et c'est ainsi que nous avons inspiré à Youssef sur la manière de procéder. Il ne pouvait serrer son frère dans ses bras durant son pouvoir sans l'intervention d'Allah. Et nous élevons en degré
ce que nous voulons est au-dessus de chaque personne qui possède une science. Il y en a une autre encore plus savante qu'elle. Subhanallah. Quand on garde la foi, quand on aime Allah, quand on craint Allah, qui aurait cru dans cette histoire qu'il allait revoir ses frères et son père après tant d'années d'absence, après tant d'années loin d'eux? Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, même dans ce moment-là, il est juste. Il ne peut pas dire aux gens, ben, ce sont nos frères, ils m'ont fait du mal. Starhom. Il les a couverts. Il n'a pas voulu parler d'eux en mal. Oui, subhanallah, as-sutra, as-sutra, as-sutra. Il n'a pas voulu parler en mal de leurs frères. Ils m'ont abandonné. Et aujourd'hui, ils viennent en Égypte. Et aujourd'hui, j'ai envie de leur régler leur compte. C'est pas ainsi. Il faut être sage. Il faut agir avec raison, avec justesse et bienveillance. Non, 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 c'est pas comme ça qu'on va agir. Allah Azza wa Jal nous dit, demande l'aide d'Allah. Aie confiance en Allah et tu verras comment il t'aidera à agir et à réagir avec les personnes. Youssef alayhi salam, c'est un plan que seul Allah a pu penser, qu'il a pu inspirer lui seul à son serviteur. Et parfois, on se demande comment on est sorti d'une situation. Comment Allah nous a inspiré? La confiance en soi ne peut se faire qu'en ayant confiance en Allah. Et nous élevons en degré, en considération, en place, qui nous souhaitons. Et bien sûr, les rapprochés d'Allah ont une place particulière. Et au-dessus de chaque personne qui possède une science, il y a encore plus savante qu'elle. Et au-dessus de notre science, il y a la science d'Allah. Subhanallah. Verset 77 à 79. Allah Azza wa Jal nous dit, « قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. Ils ont dit, les frères, s'il vole, c'est que son frère a déjà volé avant. Et Youssef a fermé les yeux sur cette parole et l'a gardée en lui sans leur montrer quoi que ce soit et a dit, vous avez une très mauvaise place auprès d'Allah et Allah sait parfaitement ce que vous dites. Et ils ont répondu, cher ministre, il a un père très âgé. Prends l'un de nous à sa place, nous voyons en toi un homme très bon. Youssef répond, « Ma'ad Allah, qu'Allah nous protège de prendre autre que celui chez qui nous avons trouvé la coupe dans ses bagages. Sinon, si on fait cela, nous serons parmi les injustes. » Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oui, subhanallah, il y a un côté chez les frères qui revient. Ben, s'il a volé, c'est que son frère a volé. Quel est le lien entre Benyamin et son frère auparavant qui a volé? Quel est le lien? En fait, je pense que ici ils sont pris par la panique. Ils ont eu peur. On s'est engagé. On a fait ça avec Youssef. On a promis à notre père. On doit revenir avec lui. Et parfois, subhanallah, dans une situation où on a peur, on dit des bêtises parfois. Allahu a'lam, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont réagi ainsi? Allahu a'lam. Et Youssef a fermé les yeux sur ce qu'ils viennent de dire. Et il n'a pas voulu montrer, subhanallah, qu'en fait, ils ont ça en eux. Ils ont eu la haine contre Youssef et aujourd'hui, subhanallah, ils osent dire du mal de leur petit frère. Alors qu'ils se sont engagés avant auprès de leur père. Et ils ont répondu, cher ministre, il a un père très âgé. Ils se sont souvenus de leur engagement. Prends l'un de nous à sa place.
On doit revenir avec Benjamin et on sait que tu es un homme très bon. Ben oui, très bon. Tu nous as accueillis, tu nous as rendu notre argent, tu nous as accueillis une nouvelle fois. Youssef dit non. Nous, on ne va pas faire partie des injustes. Celui chez qui on a trouvé la coupe, c'est lui qu'on retiendra. Ils voulaient garder son frère. Ils n'ont pas encore compris, subhanallah, que c'était Youssef alayhi salam. Et ils ont vu de lui, Allah a voulu qu'ils voient de leur frère Youssef un très bon comportement. Allah veut leur faire prendre conscience. Vous l'avez jalousé avant, mais vous n'avez pas compris que cet enfant était meilleur que vous. Il avait un comportement exceptionnel et il n'avait aucune rancœur vis-à-vis de vous. Tout doucement, Allah leur fait prendre conscience de leur grande erreur en ayant jeté leur petit frère dans un puits. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 80. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Et lorsqu'ils ont vraiment perdu tout espoir de rentrer sans Benjamin ou avec Benjamin, ils n'ont pas arrêté de penser, ils n'ont pas cessé de penser à leur frère. Et ils se sont concertés. L'aîné, le plus raisonnable parmi eux, a dit: vous savez bien que votre père a pris de vous un engagement auprès d'Allah et un autre engagement qu'on a manqué concernant Youssef. Je ne quitterai plus jamais la terre d'Égypte tant que mon père ne m'y a pas autorisé ou qu'Allah en décide autrement. Et il est le meilleur des juges. Retournez auprès de votre père et dites-lui: cher père, ton fils a volé. Et nous t'informons que de ce que nous savons. Et nous ignorons que la coupe allait être trouvée dans ses bagages. Regardez, subhanallah, la culpabilité. Ils ont commencé à réfléchir. Qu'est-ce qu'on va dire à notre père? On a fait ça avec Youssef. Maintenant, c'est Benjamin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Le grand, subhanallah, il dit, subhanallah, je veux plus sortir de cette terre. Je ne veux plus. Et c'était, je crois, le grand frère, d'après les savants, c'était le grand frère qui leur a dit, ne le tuez pas, mais j'étais dans un puits. Et là, le grand frère leur dit, moi, je ne peux plus quitter la terre, sauf si Allah en décide autrement. Il est le meilleur des juges. Retournez auprès de votre père. Lui, il n'y arrivait pas. Subhanallah, dites-lui. Dites-lui que, voilà, on a trouvé la coupe dans les bagages de Benjamin et que c'est lui qu'on a accusé de l'avoir volée, subhanallah. Et on ne savait pas que la coupe allait être trouvée dans les bagages de ce frère. Versets 82 et 83, Allah ajoute, et ça ce sont les propos des frères, « Was'al al-qaryati allati kunna fiha wal-'ayra allati aqbalnaha fiha wa inna lasadiqun qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil 'asa Allahu an ya'tiyani bihim jami'an innahu huwal 'alimul hakim. » Et si tu veux être sûr que nous disons bien la vérité, ils parlent à leur père. Demande aux gens du village où nous étions en Égypte et les gens de la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Et nous ne te disons que la vérité. Le père répond, mais vos âmes vous ont plutôt embelli la chose. Alors, je vais faire preuve d'une belle patience pour qu'Allah me les ramène tous. Il est celui qui a la connaissance parfaite de tout et il est parfaitement sage. Ils culpabilisent à tel point, ils se disent « Non, mais cette fois-ci, notre père ne va pas nous croire. » Dites-lui, tu peux te renseigner auprès des gens. On n'a pas voulu laisser Benjamin. Et puis, demande à ceux qui nous ont accompagnés. On a voulu préserver Benjamin parce qu'on voulait tenir à notre parole. Le père répond, mais vos âmes, votre nefs, vous a plutôt embelli les choses. Mais je vais faire preuve d'une belle patience. Cette fois-ci, dans le verset 83, Yaqub alayhi salam change la manière de patienter. Il dit cette fois-ci,
je vais faire preuve d'une belle patience pour qu'Allah me les ramène tous. La première phrase que Yaqub a dit, je vais faire preuve d'une belle patience et patienter face à ce qui vient d'arriver. La première, il a voulu être patient face à la situation et accepter la situation comme elle est. La deuxième forme de patience est différente. Il est optimiste. Il est dans l'espoir qu'Allah les lui ramène. Dans la première, il supporte. Et il va supporter pendant des années. Donc attention à ce qui sort de la bouche. Dans la deuxième, il dit, Allah va tous me les ramener. La patience, c'est de savoir bien la vivre. Être patient, c'est être optimiste. Oui, d'accord, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Allah va me combler. Allah va me donner mieux. Attention à ce qui sort de notre bouche. Il ne faut dire que des paroles positives, que des paroles qui plaisent à Allah. Et ce sont des leçons de sagesse. On n'est pas en train de juger un prophète. Non, Allah est en train de nous enseigner à travers Yaqub alayhi salam. La première patience, il subit. La deuxième patience, il garde espoir. Là, il est dans le vrai tawakkul. Là, il est optimiste. Allah va me les ramener tous. Et c'est pas ce qui s'est passé. C'est ce qu'on va voir ensemble dans la prochaine partie, la sixième partie. Et on verra, subhanallah, qu'Allah azza wa jal, quand on a confiance en lui, quand on reste sur le droit chemin, quand on est optimiste, quand on garde la foi en toutes circonstances, Allah ouvre ses portes tôt ou tard. Ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un an, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 40 ans. Allah Azza wa Jal te dit, fais-moi confiance. Le destin, à toi de prendre ton destin en main, et il y a la prédestinée, ce qu'Allah a décidé autrement pour chacun de nous. Qu'Allah nous accorde une foi ferme. Qu'Allah nous accorde une patience avec de l'optimisme. Qu'Allah nous accorde des invocations en étant convaincus. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde un pardon. Et qu'Allah nous pardonne tous. On fait tous des erreurs, mais les meilleurs sont ceux qui reviennent toujours auprès d'Allah. Barakallahu fikum.